Récemment, nous avons effectué un sondage auprès des Canadiens concernant le sujet de vol et d'identité. Et où, il y a peut-être 5 ou 10 ans, on aurait trouvé que beaucoup de monde ne connaissent pas le terme. Maintenant, le taux de neutralité de l'expression vol d'identité, ça arrive jusqu'à 97%. Ça veut dire que c'est né à partir de le vocabulaire du monde, au sociétal. On a trouvé que pas mal tout le monde maintenant connaissent le terme vol d'identité, mais est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe le monde? Et on a trouvé que oui, plus que moitié des Canadiens sont soit très ou extrêmement préoccupés par la possibilité qu'un vol d'identité leur arriverait. Et de plus, on a trouvé que jusqu'à maintenant, 1 sur 10 nous disent que ça a déjà affecté eux-mêmes. Et encore plus, même s'ils n'ont pas été affectés eux-mêmes, que 1 sur 3 disent qu'ils connaissent quelqu'un à laquelle il était arrivé. Il y a 1 sur 10 des Canadiens qui a été victime d'un vol d'identité jusqu'à maintenant. Mais est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe les gens? Et on a trouvé que bien oui, il y a 60% des Canadiens qui craignent que ça pourrait leur arriver à quelque point dans leur vie. Et si on prend les prochaines 5 ans, il y a 1 sur 3 qui encore craignent que ça pourrait leur arriver. Ça nous amène à la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le protéger jusqu'à maintenant? Et on a trouvé que malgré toutes ces attentes que ça pourrait le toucher dans la vie, les Canadiens ne sont pas encore arrivés à trouver une façon à leur protéger contre le vol d'identité. Le pourcentage le plus important qu'on a sondé, 1 sur 3 nous a dit qu'ils déchirent les documents, comme les factures de carte de crédit avec les informations personnelles là-dessus. Mais à part de ça, il n'y a vraiment rien qui sort en termes de protection, par exemple, contre le vol d'identité qui pourrait leur arriver sur l'Internet. Où les Canadiens pensent qu'ils pourraient être à risque d'un vol d'identité? On a trouvé que la majorité des Canadiens sont très au courant de l'idée ou la possibilité qu'ils sont à risque dans des endroits comme des restaurants, dans les stations d'essence, dans les magasins retail, et aussi s'ils font des achats online avec une carte de crédit ou une carte de débit. Mais par contre, ils sont beaucoup moins au courant à la possibilité qu'ils seraient à risque d'un vol d'identité dans les endroits institutionnels, c'est-à-dire dans leur propre situ d'emploi, dans les bureaux gouvernementaux, dans les institutions éducationnelles et même chez eux à la maison. Une différence intéressante qu'on a trouvée dans les résultats, c'est le fait qu'au Québec, les gens, comparativement, et spécialement aux gens dans l'Ouest, les gens au Québec sont moins préoccupés avec la possibilité qu'un vol d'identité pourrait leur arriver et moins inclins aussi à faire quelque chose à leur protéger contre la possibilité.